Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bel journal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon calendex et une petite page bonus juste à côté concernant les dates importantes que j'ai justement répertoriées dans le calendex. Donc le calendex, c'est quoi? C'est un calendrier annuel avec chaque mois de l'année pour une vue d'ensemble sur par exemple, vous pouvez surligner les jours importants, par exemple des rendez-vous ou les fêtes, les anniversaires. Moi, pour ma part, j'ai trois dates importantes, les fêtes, les anniversaires et mes épreuves du bac, voilà. Et j'ai également répertorié ces dates sur la seconde page. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le calendex, c'est vraiment la page la plus longue à faire d'un bullet journal, je trouve. Mais elle est quand même importante. Ça dépend si vous en avez l'utilité ou pas. Moi, personnellement, j'en ai l'utilité, donc je la fais à chaque fois. Mais si vous n'en avez pas l'utilité, n'hésitez pas à zapper cette partie du bullet journal. C'est vraiment une perte de temps si elle ne vous servira à rien. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, donc profitez-en pendant que c'est le cas. Et sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!